train de monter, je suis juste devant le stade de Galatasaray pour la deuxième fois. Ça me manquait de revenir ici à Istanbul, sauf qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Bon déjà il caille, ok, il fait que de neige à Istanbul, mais en plus de ça là je suis avec mon poteau qui est en train de me filmer et on a eu du mal à passer les parties de sécurité, donc peut-être que je vais devoir rentrer dans le stade en solo parce qu'on n'a pas trouvé de consigne. Voilà, c'est un petit peu là, on part à l'aventure. La dernière fois j'étais venue, je me filmais que avec mon téléphone, mais cette fois-ci je me suis dit je vais faire un joli vlog, mais peut-être que je vais devoir être solo, donc c'est compliqué. En tout cas, je suis grave heureuse d'être là aujourd'hui. Je suis ici pour le derby d'Istanbul, Galatasaray contre Beşiktaş. Je sais pas à quoi m'attendre. On va rentrer dans le stade et on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, début du vlog catastrophique. Voilà, je suis avec Geoffrey. Je veux pas que tu racontes ce qui vient de se passer. Un enfer. Ouais, un enfer les gars, je vais essayer d'aller vite au stade parce que là c'est un peu la merde et je vous explique truc une fois qu'on est installé. Mais ce que je viens de faire pour cette vidéo, la vie de ma mère, que c'est un truc doux. Faut qu'on lui rende ses clés. Bon, maintenant qu'on est un petit peu plus au chaud, je peux vous raconter le délire. En fait, donc Geoffrey qui est avec moi, qui était censé filmer parce qu'on devait faire le début du vlog devant le stade et tout. En arrivant ici, on pensait qu'il allait avoir une consigne pour ranger les affaires, sauf que pas du tout. Et du coup, on s'est retrouvés comme deux cons, ils voulaient pas nous laisser rentrer. Et heureusement, je lui fais un gros bisou, je lui dis un grand merci. Il y a quelqu'un qui est abonné à Footix et qui m'a gentiment donné ses clés de voiture. Donc j'ai fait une mission, je suis rentrée dans le stade sans Geoffrey pour récupérer les clés. Il m'a donné les clés, on a retrouvé la voiture dehors. Faut savoir qu'en plus, il y a de la neige, donc ça glisse. Je sens plus mes pieds, je suis gelée, mais je bois un truc super bon. C'est ça. Dites-moi ce que c'est les Turcs, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop bon. C'est un peu comme Mhalbi chez nous en Algérie, ça a le goût de. Enfin, c'est du lait avec de la cannelle, c'est très bon. Mais du coup, je me réchauffe un peu. Ah, putain, je savais pas. Et ça, c'est que le premier épisode parce que jeudi, gros match, Galatasaray et Barcelone. Donc, heureusement que je suis venue pour ce match-là parce que je sais à quoi m'attendre pour jeudi. Pour jeudi, je vais venir équiper, sachant que je serai avec mon père. Je sais à quoi m'attendre, donc je vais me préparer. Jo, ça va mieux? Ça commence à aller mieux. C'est même pas un petit burger en fait, c'est un bonheur. C'est un bonheur dans un burger. C'est voilà. Un bon, avec ça, je me sens mieux. On va aller. En plus, on est super bien placé. Pour le coup, j'en mets. Ouais, non, franchement. Et en fait, dans tout ça, finalement, on est plutôt heureux parce qu'on va repartir en voiture avec notre ami qui nous a aidés. Donc, c'est cool. Alhamdoulilah. Armée là.
Ouais. Tout le monde est debout, il n'y a pas de masque massif. Tu peux pas t'asseoir. Non, tu peux pas. Mais tu peux être assis, mais tu peux pas de masque. C'est ça. Tu te lèves. Ouais. C'est pas, comme, là, c'est pas pareil. Et encore, là, comme tu disais, là, c'est un match. Honnêtement, c'est pas trop le match de. Ouais. On attend plutôt le Barça. Ah là là, mais ça va être plus long. Deuxième mi-temps. On s'est repris un peu de chaud parce que là, il s'arrête. Ouais, il fait 0 degrés. Ouais.
archi ça, ça avec la Tassara, il faut s'y plus. J'avoue que là, ils étaient beaucoup trop en gestion. Très très dominé la deuxième période. 5 minutes, il peut tout se passer. Non, on va pas tomber le chien d'or, hein. Il nous faut la victoire de Galatasaray. Mais c'est bien, ça va relancer la fin de match, tu vois. On avait froid. Tu nous fais un petit débat sur la panthère là. La panthère est très lente. Elle a fait quelques kilos, hein, parce que c'est une panthère fatiguée. Bah, la panthère n'avance plus là. Mais c'est marrant qu'on va dans un jour, j'ai bien vu. Ouais, ouais, c'est sympa. Bah, des ailes décevant quand même. Ouais, des ailes, ouais. Je sais pas si on nous entend. Bah, tu vois, lui aussi, il a rien fait. Il a pratiquement rien fait plus mal. Bon, là, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Attention à Béchic Pascal. Non, ouais. 6 minutes. Il reste 6 minutes. On sait pas où il les a trouvés. Ouais, mais il reste 6 minutes de temps additionnel. Victoire pour Galatasaray. Eh, on a porté chance. Oh putain. Voilà. Regarde derrière, regarde. Grosse galère. Donc voilà, vous avez vu la descente, tout à l'heure je vous ai pas filmé parce qu'on était, on était en plein rush pour arriver au stade, mais on s'est tapé ça juste avant le match. Technique, très très, très, très technique. Ouais. Et là il y a deuxième technique, c'est qu'en fait la voiture, bah, le gars qui nous a aidé, elle est là. Mais que voilà, en fait tout le monde est bloqué parce qu'il y a d'autres voitures qui sont garées. Le stade est là. Et nous on est là dans le froid, mais vous pouvez pas imaginer, je sens même plus mes pieds.